Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Xenoverse 2 sur PC. Donc, comme vous l'entendez, je suis toujours malade et j'ai pris une résolution pendant le week-end, c'est-à-dire qu'on va faire uniquement maintenant que les missions d'histoire, en tout cas un maximum que nous puissions en faire. Ce jeu étant une copie soi-disant mieux, mais parfois beaucoup moins bien, du premier. Je ne peux pas non plus vous conseiller de l'acheter, soyons honnêtes. Hein. Je ne peux pas non plus vous conseiller de l'acheter, parce que bah, techniquement, pour moi, il ne vaut pas le coup d'être acheté. Faut pas aller plus loin, il vaut mieux jouer au 1, limite. Même si les serveurs sont off, vaut mieux jouer au 1 en termes d'histoire et en termes du reste. Hein. Enfin bon, je trouve pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de twist scénaristique, il n'y a pas d'histoire véritablement prenante. Donc ouais, je sais pas, ou alors j'ai loupé quelque chose. En tout cas, nous, on va se remettre dans l'histoire, chers amis. On y va. Hop. Dans une grande fête temporelle, laisse-moi le regarder de plus près. Pfiou. J'ai eu peur hein, pendant un moment, j'ai cru qu'il s'agissait d'un des œufs de Toki Toki, je n'aurais pas dû m'inquiéter. Plus je regarde et plus il ressemble à l'original, pourtant il renferme une présence maléfique. La quantité d'énergie émise est gigantesque. Qui a bien pu le créer? Merci de me l'avoir montré. Peux-tu me prévenir si tu en trouves d'autres? Ces grandes failles temporelles sont toujours aussi mystérieuses. Elles semblent néanmoins sans danger pour l'instant. Je vais continuer à chercher, mais ne vous relâchez pas. D'accord, donc c'est le fameux œuf qu'on a trouvé dans une des précédentes vidéos. Whis. Oh, alors tu as terminé tes préparatifs? Attends. Attends. Objet. Personnalisé. Objet. D'accord. Ok. Ok. Technique. Alors ça, entre vous, on aura le bol de l'hyperabsorption. Mais sans ça, je me fais rect H24, chers amis. Pensez-y. Parce que je vous rappelle que ça, ça touche jamais. Ça, à part dans la fin d'un combo, ça touche jamais. Ça, ça touche jamais. Et ça, ça touche jamais. Parce que les PNJ esquivent les coups. Donc j'ai besoin de cette régénération pour pouvoir m'assurer d'avoir toujours de l'endurance au combat. Au corps à corps. Il n'y a que le corps à corps qui touche. Les ennemis esquivent tout. Oui, serre la vis. Oh putain, les noms des épisodes sont... Bref. Boom, bitch, get out the way. Et vous voyez là. Vos ennemis, à part être là pour bousiller vos combos... Enfin, vos alliés, pardon. Ne vous êtes pas si vous faites agresser. Comme vous voyez, c'est pas vraiment mieux. Hop, ça y est, j'ai le droit à... Non. Voilà, merci. Merci à toi. Merci à toi. Crac. Boum. Est-ce que vraiment je fais plus de dégâts en Super Saiyan? Je commence à me poser la question. Apparemment oui. Merci. Oh, regardez la régène d'endurance qui se tape. Alors je rappelle que je me suis équipé d'une tenue qui est censée augmenter mes dégâts physiques. Mais je le sens pas plus que ça, ou alors c'est un personnage qui a énormément de défense et du coup... je sais pas. D'accord. Ou alors ça augmente juste les dégâts physiques que je reçois.
C'est peut-être ça, c'est peut-être là qu'elle est la blague. Bon. Hop, va-t'en. Ah non, ça augmente bien les dégâts physiques, je me rappelle pas que la chope faisait autant de dégâts. Et donc, Virus, il est où? Il dort, il fait une sieste, il... Qu'on m'explique? C'est vrai quand on y pense, il est pas là. Ah oui, j'ai plein de points à mettre. Et Vegeta qui m'insulte. Je sais pas comment je dois le prendre. Excusez-moi. Tu es agacé par ton dessin. Je me rappelle pas qu'il avait ce symbole là sur la tête de Virus. Du calme, allons chercher des sushis sur le chemin du retour. Très bien, j'accepte. J'avais dit que quand c'était doublé en japonais, j'allais pas parler. Il y a les sons entre guillemets des commandes de l'animation japonaise, mais il y a aucune animation, aucune mise en évidence. C'est vraiment un piètre jeu. Je suis très déçu. Hein. Oh le calvaire. Oh là là. C'est les méchants de l'histoire, forcément qu'ils mettent des bâtons dans les roues. Non. Oh, il n'y a plus de personnages de vidéo à rajouter. Nous arrivons donc bientôt à la fin de l'histoire. Le scénario se termine. Si tu veux. C'est surtout nous qui allons le faire, à mon avis, mais bon, c'est pas grave. Oh, c'est de pire en pire, j'y crois pas. Je croyais que ça allait être mieux aujourd'hui. Désespoir, une fois de plus. What? Mais c'est quoi ce succès déverrouillé? Nouvel événement d'entraîneur est disponible. Ah. Ça veut dire qu'il y a plus J'ai pas l'impression qu'il y en ait plus. Peut-être un petit peu plus, effectivement. Je vais aller voir. Rien ne nous empêche d'aller voir. Là, c'est qui? Radi? Tse? Ok. Jacko? Pourquoi pas? Là, ça va être Satan. Là, c'est Bou. Là, ça va être C18. Sangohan, Videl, Krilin. Sur le toit, c'est Virus. Virus, Sama. Hein, j'ai un manque de... Oh, d'accord, c'est l'émission expert. D'accord, ok. Gotenks, d'accord, donc Eben est nouveau.
Je les ai pas fait, eux. Mais je l'ai déjà fait, celle-là. Oh! Où est la pose de Satan? Là. Ok. Merde. Ah, le menu n'apparaît plus. Non, c'est celui-là, d'accord. Je me trompais juste des boutons, en fait, simplement. Pose d'élite, tout simplement. Voilà. Ok, bon. Cependant, il y a pan ici, donc s'il y a pan ici... S'il y a pan ici, c'est que j'utilise aussi les pouvoirs, enfin les épées de GT. Donc ça, c'est intéressant. Je croyais qu'il devait pas le faire, mais c'est intéressant. Ok, donc là c'est Sangohan petit. Là ce sera qui? En bas. Non, c'est pas en bas qu'il est? Slug, d'accord. Et dans le petit trou là-bas, ce sera qui? Parce que là, ça va être Tenshinhan. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est parce que je passais à côté de ça. Ok. Et Thalès, d'accord. Bon, ben finalement. Rien de bien intéressant. Ok. Toujours pas du coup de Son Goku ni rien. Bon bah on descend. Hop. On y va. La suite. La suite, la suite. Ok. Trunks. On y va. Tu me rends malade, Trunks. C'est de ta faute. Me dis pas bonjour. Comment vas-tu? Il n'y a pour l'instant aucune méfiance à signaler. On dirait que toi et les autres ne sont plus très actifs. Je me demande ce qu'il mijote. Je me pensais me rendre à la crypte du temps. Veux-tu m'accompagner? Bah écoute, oui. Quand il n'y a plus de travail, apparemment il y a encore du travail. Travailler plus pour gagner moins, chers amis. C'est ça. C'est vraiment ça en fait. Toi, tes intuitions. Ça semblait à Bardock. Bah, je pense qu'il a pas le choix, perso, mais enfin bon, c'est pas grave. Alors, comment ça y avoir des animés qui un petit peu se moquent un petit peu des anciens gimmicks d'animés? C'est-à-dire, par exemple, au lieu de passer 3 épisodes à se demander s'il était contrôlé ou pas, il disait dès les 10 premières secondes, il est contrôlé par quelqu'un. Mais apparemment, Dragon Ball, ça a le droit à un traitement spécial de retour dans le temps. Dans ces cas-là, ils ne gardent jamais leur mémoire. Enfin bon, tu me diras, je me balade en slip, alors bon... Faut retrouver le bon... Je croyais qu'il y avait plus de parchemin qui était atteint. Oh là là, cette histoire se perd elle-même. Toutes les modifications sont du temps sont indiquées sur les parchemins qui brillent d'un espèce d'éclat démonique. Mais forcément, celle de Bardock, non. Faut chercher. Pfff.
Démoniaque, plutôt que démonique. Parce que tout ce qui est les moniques, effectivement, c'est... Les moniques sont des personnes qui s'appellent Monique, qui sont des personnes maléfiques, sans doute, mais pas démoniaques. Ah là là, est-ce que vous connaissez une Monique? Si vous connaissez une Monique, mettez-le dans les commentaires. Ok. Et forcément, vu qu'on joue avec le temps, on pouvait pas arriver 10 secondes plus tôt. En inconnu. Donc en fait, on a passé un nombre d'années inconnues à nous balader dans l'univers. Et du coup, on ne sait pas trop à quelle époque on est. Tout simplement. Wormhole, un trou de verre, ouais, d'accord. Ah, mais oui, mais... Il met une demi-heure de pause entre deux phrases. Bardock, l'être masqué, bat tous les ennemis. Raté. On parlait combien que Bardock va passer Super Saiyan, on sait pas pourquoi. Aïe. Voilà. Mais c'est chiant. Bon. Lui, il est à moi. Oh, le gros sac à PV. Qu'est-ce que... D'accord. Joli. C'est pour qui, ça? D'accord, il y a eu un ulti qui est sorti, on sait pas trop pourquoi ni comment. Mais... Voilà. Trunks qui se permet d'attaquer mon combo. Me laisser faire, s'il te plaît, merci. Et je me fais agresser par tout le monde au passage. Cassez-vous de mon chemin! J'ai touché personne. Hop, dégage! Merci à toi. Oh mais non mais. Joli la chope, joli joli. Crac, ça passe aussi. Ça passe encore. Oh mais non. Il m'a fait le coup que je leur fais à eux habituellement. Ah, oh, forcément. Boum. Ça t'apprendra. Oh. Comment ça, il a pas été touché du tout? Voilà, merci. Bon, moi je recharge. Hein. Bah ça c'est fait, ça c'était propre. Le dôme de chaleur il était joli. Parce que c'est l'attaque qu'il a utilisé hein, le dôme de chaleur. Je précise. Rancé. Tristesse. C'est pas grave. Allons-y. Alors. Qu'est-ce qu'il est?
Entre les dimensions, que s'ouvre une autre dimension. Ah oui, les valeurs d'honneur, tout ça. Aïe, ça fait mal. Ils viennent nous écarter de la zone. Oh, de l'animé. Alors quand je vois comment nous on en chie et lui il arrive à... Alors en plus il arrive à téléporter les deux en même temps. C'est un peu gros. Ah, il est au courant de tout? C'est cool. Ah bah Super Saiyan. Vas-y, fais péter. Oh bah dis donc, c'est ça le twist de fin. Si c'est ça le twist de fin. Oh j'espère pas. Ah bah voilà. Vous êtes sérieux? Le héros du précédent jeu? Manipulation héroïque, bah le héros. C'est moi? Ah bah j'ai pas le droit de le toucher apparemment. Towa! Je tape sur une fille! J'aimerais essayer de taper sur une fille, mais j'arrive pas. Et pendant ce temps-là, personne s'occupe de moi. Bon bah, je m'occupe de moi alors, hein, tant pis. Comment ça se fait que j'ai autant de PV? Je me rappelais pas d'avoir autant de PV. Fait exprès de pas se défendre ou... Merci à toi. Crac, ça prendra. C'est triste, il se fait baiser dans un coin comme ça. Boum. Oh, c'est terrible, chers amis, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé, moi j'en peux plus déjà. C'est la première vidéo de la journée, j'en peux déjà plus. Merci à toi. Dégage. Je vais te pomper jusqu'à la moelle. Crac. Voilà. J'ai battu le héros. Parce que je suis le plus grand de tous les héros. Voilà. Fort de tous les héros, c'était pas un... Y avait pas un... Un Action Man, c'était pas le plus fort de tous les héros, un truc comme ça. Oh, je sais plus. Ah, le masque, ça y est. Salut mon pote. What? Elle annule les effets du premier jeu, en plus? Bah c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux.
Ouais. Ouais. On sait même pas à quel moment ils ont perdu contact. Oh, d'accord. On l'a vu le trou de verre ou non, pas du tout. Ah, ils sont complètement en train d'oublier le héros. Ouais, Oh là là, on se perd dans des histoires. Voilà, donc il manque bien le cinquième. D'accord, c'est tous les parchemins de la pièce en fait, ça se voit pas, on a l'impression que c'est juste au-dessus de leur tête, mais c'est tous les parchemins de la pièce qui changent. À l'extérieur? C'est qui monsieur à l'extérieur? Monsieur Terrier, Alex, et demandez à la... Non bref, je vais pas la refaire. Y a des changements encore dehors? Oh, il y a plein de quêtes. Ah, j'avais dit que je devais me concentrer sur les quêtes d'histoire. Non! Eh ben écoutez, chers amis, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, je pense. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo!